Voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions trois fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Je suis un spectre. En fait, je suis votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue noire. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque.
C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. Nous sommes en territoire déchu. Rester à découvert est beaucoup trop dangereux. Entrons dans le mur. Je ne vous ai pas réanimé pour que vous mouriez de nouveau. Vite. Bon. On doit vous trouver une arme avant que les déchus ne nous tombent dessus. Silence. Ils sont juste au-dessus de nous. Les déchus aiment l'obscurité. Mais nous, il nous faut de la lumière. Je vais nous faire un peu de lumière. Encore un de ces systèmes militaires. Je dois me battre contre des siècles de dégradation. Viens par ici. Là, il y a une arme. Prenez-la. J'espère que vous savez vous en servir. De déchus que je ne le pensais ici. Nous devons continuer d'avancer. J'espère qu'il reste quelque chose là-bas. C'était un cosmodrome. Des vaisseaux partaient d'ici pour l'espace. On devrait pouvoir y trouver un moyen de filer d'ici. Oh non, quelque chose se téléporte. Les vaisseaux déchus, s'ils prennent la surface, nous devons à tout prix passer. Je détecte les traces d'un vieux vaisseau. Voilà notre porte de sortie. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas servi depuis des siècles, au moins. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démantelé. Il peut voler ? Espérons-le. Voyons voir. Réussir à atteindre la cité. Et quant à la téléportation... Vous faites entrer. Nous en viendrons nous occuper d'eux plus tard. Pour l'instant, rentrons chez nous.
Bienvenue dans la dernière cité sur Terre. Le seul endroit que le voyageur protège encore. Il aura fallu des siècles pour la construire. À présent, c'est à peine si elle tient encore. Et c'est dans cette tour que vivent les gardiens. Il fut une époque où nous étions bien plus puissants. C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres, dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps. De l'agonie du voyageur. Vous parlez du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur. Les ténèbres sont de retour. Cette fois, nous n'y survivrons pas. Ces armées nous encerclent. Les déchus n'en sont qu'un premier aperçu. Que puis-je faire? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur Terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes inséparables. Certains rapports disent que les déchus du Cosmodrome défendent fermement le vieux relais cosmique. Peut-être y a-t-il un de leurs chefs là-bas, ou qu'ils y gardent quelque chose de précieux. Le guide veut que les gardiens aillent y jeter un coup d'œil. Bon, le relais cosmique est de l'autre côté de la steppe. Et il est encerclé par les déchus. Bien. Dites-moi quand vous serez prêt. Cet endroit devait être incroyable avant la chute. Des milliers d'humains qui embarquaient dans les vaisseaux coloniaux pour s'envoler vers des villes extraterrestres. Il n'y a plus que des déchus, désormais. Sur la colline, le bâtiment avec le radar, c'est le relais cosmique. Nous y sommes. C'était l'un des anciens postes du relais cosmique. Il servait de lien avec les colonies lunaires. Une impasse. Les déchus ont scellé cette porte. Je vais l'ouvrir. Les déchus voulaient vraiment que personne ne puisse entrer.
beaucoup plus loin. J'ai un mauvais pressentiment. Impossible. C'est la ruche. Je n'ai pas vu sur Terre depuis des siècles. Il doit y avoir une prêtresse dans les environs. La prêtresse est ici. La ruche n'est pas venue sur Terre depuis des siècles. Cette prêtresse vient de la Lune. Dire qu'on les pensait contenus là-haut, les ténèbres doivent être plus proches qu'on ne le pense. Il m'arrivait de rester là la nuit à me demander ce que faisait la ruche. Mais je ne détectais qu'un vague signal, comme s'il était bloqué ou affaibli. Un gardien est venu ici, espérant infiltrer la forteresse de la ruche. Mais il a disparu. Essayons de retrouver sa trace. Sa dernière position connue se trouve un peu plus loin. Selon le dernier rapport du gardien, il aurait repris cet accélérateur à une maison déchue inconnue. Il a établi un campement ici. Voyons s'il a laissé quelque chose. Elle parle d'un endroit nommé le temple de Crocta. Ce n'est pas loin. Ça ressemble à une embûche. Le sol ici est creux sur des kilomètres. Allez savoir ce qu'il y a en dessous. Bon, je crois que nous avons trouvé le temple. Tout droit. Un gardien mort. Il ne reste rien. Pas même la lumière. Où est son spectre ? Nous avons réveillé la ruche. Ne les laissez pas nous séparer. Thank you.
détecte la lumière agonisante d'un spectre à l'intérieur. Est mort, mais je peux encore lire certains de ses souvenirs. Ces grottes courent sur des kilomètres. La ruche y prépare une armée pour envahir la Terre. Nous devons l'arrêter. Un message urgent arrive sur tous les canaux. Ça vient du guide. Nous devons agir maintenant. Nous pensons que la ruche a entamé un rituel dans le but d'éteindre la lumière du voyageur. Cette puissance à laquelle elle fait appel, nous devons la comprendre et la détruire. Ils ont des milliers de chambres. Le rituel peut se dérouler n'importe où. Si on trouve des fissures assez profondes, je pourrais cartographier la forteresse. Le scan était bon, mais insuffisant pour localiser le rituel. Continuons à chercher. Une seconde. Je l'ai. Nous allons devoir continuer à nous enfoncer dans le temple. Quelqu'un essaie d'établir le contact. C'est peut-être le guide. Rien à faire. Trop d'interférences. Vous m'intriguez. Un peu. Votre avenir semble plutôt prometteur. Yes. Je ne sais pas. Le signal faiblit. Gardien, je sais ce à quoi vous pensez. C'est courageux. Mais vous n'avez aucune idée des ennemis qui se cachent là-bas. Où ça ? Descendez, affrontez la ruche. Et si vous survivez, venez me trouver. J'ai perdu le signal. J'ai pu noter quelques coordonnées. Vénus, l'hémisphère nord, la région d'Ishtar. Génial. Que fait-on alors ? On descend. Les pendeurs de la ruche, les mêmes que sur Terre.
si nous n'y mettons pas un terme. Il y en aura d'autres. Nous y sommes. L'antichambre la plus sinistre de la ruche. Disait que les ennemis sont encore pires sur Vénus ? Génial. Cette colonie a été bâtie par le collectif d'Ishtar. On dit qu'ils étudiaient des ruines plus anciennes que l'humanité. Tout a sans doute été perdu lors de la chute. Rien. Je n'aime pas l'idée de crapahuter ici sans avoir une idée claire de la topographie. Il y avait un avant-poste des gardiens par ici autrefois. Voyons si on peut en tirer quelque chose. Connexion établie. Le passereau est accessible. Ça parle un peu partout de machines de guerre appelées Vex. Indestructibles, implacables, extrêmement intelligentes. Et elles peuvent se téléporter. Charmant programme. Les gardiens avaient autrefois des détecteurs pour les pister. Il faut les réactiver. Les détecteurs de Vex devraient être plus loin. Ces détecteurs sont efficaces. Ils couvrent des kilomètres. Ok, je devrais pouvoir pister ces machines. Rendons-nous aux coordonnées histoire de voir ce qu'elles voulaient nous montrer. Je détecte des Vex, tout autour de nous.
coordonnées mènent ici? Mais qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vérifier. Incroyable. Une confluence de rayons non baryoniques, dirigée vers... Où? Non, 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 les Vex! Mettons-nous à couvert! Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'écoulait de ces choses? Est-ce qu'il en reste que je puisse l'analyser? Bien joué. C'est vous. Nous devons faire vite. Qui êtes-vous? Pourquoi nous suiviez-vous? Je vous l'expliquerai bien, mais j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Oui, oui, je vais le faire. Faire quoi? Je ne m'adressais pas à toi, petite lumière. Je suis un spectre, en fait. Tant de gardiens ont échoué. Même les plus forts. Mais vous, vous avez réussi. Oui, j'écoute. Ils sont ici, avec moi. À qui parle-t-elle? Bien compris. Vous avez besoin de moi, gardien. Est-ce pourquoi vous nous avez guidés jusqu'ici? Ce sont eux qui nous ont guidés jusqu'ici. Les Vex. La race la plus maléfique qui puisse exister. Vous n'êtes pas une gardienne. Non. Ce n'est pas la lumière qui m'a créée. Mais si nous unissons nos forces, nous... Que savez-vous du Jardin Noir? Ce qu'en disent les légendes. C'est là que réside la pire menace qui pèse contre nous. Ces machines viennent de là. Trouvez le Jardin Noir et détruisez son cœur. C'est le seul moyen de sauver votre voyageur. Comptez-vous nous y aider? D'autres défis m'attendent. Désolé. Si nous voulons trouver le Jardin Noir, nous devons aller voir les Éveillés. Ah oui, les Éveillés. Ceux-là même qui hésitent entre l'ombre et la lumière. Il faut toujours choisir son camp, petite lumière. Même si c'est le mauvais. Trop tard, je rentre. Ils sont nombreux? Ne bougez pas, coupez les moteurs et ne vous faites pas repérer. Donc, où les trouve-t-on, ces éveillés? Ils vivent très loin, au bord même des ténèbres. La lumière n'y brille presque plus. On ne pourrait pas rester plutôt ici avec les robots tueurs? Non, petite lumière. Ne commencez pas.
D'où viennent toutes ces épaves? Lors de la chute, tous ont tenté de fuir la Terre à bord de vaisseaux. Ils sont arrivés jusqu'ici. Avant d'y mourir, j'imagine. C'est un cimetière. Comment on fait les éveillés pour survivre? Bonne question. Intrus dans l'enceinte 127, vous êtes maintenant en territoire éveillé. Déclinez votre identité ou vous serez abattu par ordre de la reine. Qu'est-ce que j'en sais? Dites quelque chose. Nous venons de la Terre. Nous aimerions parler avec les éveillés. Suivez ma trajectoire. Si vous en déviez, cela sera considéré comme une agression. Il semble que nous soyons au bon endroit. Pourquoi le bon endroit est-il toujours si sinistre? Alors, ce sont eux les intrus qui demandent une audience. Nous ne sommes pas des intrus. La reine seule choisit qui peut entrer ou non dans son royaume. Moi, je ne vois pas pourquoi elle devrait accueillir tous ceux qui échouent sur notre récif. Mais c'est trop tard. Nous venons solliciter votre aide. T'es déchu! Cette petite chose craint les déchus. Elle ne sait pas que ceux-ci sont à mes ordres. Mes excuses, Votre Majesté. Je suis un gardien de la Terre. Nous sommes à la recherche du Jardin Noir. Pourquoi? Nous voulons détruire les ténèbres qu'il renferme. Vous voulez le transformer en champ de bataille? Voilà qui est original. Savez-vous où il se trouve? Tout le monde sait où il se trouve. Le vrai défi, c'est d'y entrer. Pouvez-vous nous aider? Et pourquoi ferions-nous cela? La reine souhaite s'entretenir avec son frère. Oui, bien sûr. Après tout, pourquoi pas? On vous fera même une carte, en échange, de la tête de l'un des maîtres des clés Vex. Maître des clés, Pourquoi voulez-vous une tête de Vex? Oh, pour rien. Et je doute que vous en trouviez une. Mais c'est votre seul espoir de pénétrer dans le Jardin Noir. Nous la trouverons. Ou vous mourrez sur Vénus. Nous verrons. La prochaine fois, consultez-moi avant de promettre quelque chose d'idiot. Si nous voulons abattre un maître des clés, nous devons découvrir comment fonctionnent ces machines. Cherchons la plus grosse, décortiquons-la et essayons d'en apprendre plus. Ok. Il y a un fort signal Vex sur la côte. Quoi que ce soit,
tuons cette chose et apportons son noyau cérébral au labo de recherche de l'Académie. Droit devant. Un signal Vex absolument colossal. Je crois que c'est ce qu'on cherchait. Fascinant. Rendons-nous à cette station de recherche. Beau travail. Il doit bien y avoir un terminal central par ici. J'en ai trouvé un. Reste maintenant à le faire marcher. On peut le faire, Renville. Je vais voir ce qu'ils ont découvert ici. Les Vex sont l'approche. Je sais comment trouver un maître des clés. Chaque Vex appartient à un réseau géant qui traverse le cœur de la planète. Si j'arrive à pénétrer dans leur système, on pourra attirer un maître des clés. Plus nous en apprenons sur les Vex, plus je comprends pourquoi notre ami Exo était inquiète. Pendant la chute, il leur a suffi de quelques jours pour transformer Mercure en machine. Ils auraient envahi toutes les planètes si le voyageur ne les avait pas arrêtés. Nous devons pénétrer dans le Jardin Noir. Il nous faut cette tête de maître des clés. Bon, pour commencer, il faut que vous me fassiez entrer dans le réseau Vex pour que j'attire un maître des clés. Je passe devant. Voilà ce qu'on sait sur les maîtres des clés. Haut comme trois étages. Ils protègent les royaumes que les Vex isolent hors du temps. Je capte une déchirure importante à proximité. Je peux m'en servir pour entrer dans leur réseau. Finalement, c'est moi qui travaille le plus.
Nous devons nous rendre à un endroit nommé les Marches Infinies. C'est là que se trouve le maître des clés. Oh, j'ai failli oublier. Pour trouver le maître des clés, j'ai dû bidouiller tous leurs portails de transfert. Du coup, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Les portails s'actionnent. Il faut les fermer, sinon il y aura toujours de nouveaux ennemis. Ça a marché! Continuez comme ça! C'est là que nous trouverons le maître des clés. Allons-y. Très bien. À mon avis, vous allez devoir franchir le seuil. Je tiens à rappeler que tout ceci, c'est vous qui l'avez. Plus qu'à téléporter sa tête. Ça a intérêt à nous donner accès au jardin noir. Allons chercher notre clé chez la reine. Il est en vie. Et il a toujours son joujou. Il n'y a aucune honte à fuir, gardien. Si la lâcheté et l'échec vous conviennent, c'est une excellente stratégie. Nous n'avons pas fui. N'ont-ils pas terrassé un maître des clés? Oh, que si nous l'avons fait! Spectre. Nous devons trouver le jardin noir. Ils ne savent même pas où ils se trouvent. Nous leur dirons. Prenez sur le maître des clés ce qui leur ouvrira les portes. Pourquoi? Si vous souhaitez leur mort, autant les tuer tout de suite. Celui qui cherche à deviner les motifs d'autrui ne trahit souvent que les siens. Mon seul motif est ma loyauté envers mon peuple. Ma reine et ma sœur. Alors, prenez
ce qu'il leur faut. Mort, malheureusement, ça ne marchera plus. Possible, mais je crois en leur ingéniosité. Acceptez notre don au nom du voyageur. Mars, 84 Nord. 32 Est, baie du Méridien. J'ai fait preuve de bonté, gardien. Si un jour les éveillés ont besoin d'aide, je m'attends à la même bienveillance de votre part. Vous nous êtes redevable, gardien. J'ai compris. Votre Majesté. Bonne chance pour traverser la zone d'exclusion. Vous savez, ces coordonnées situent le portail du Jardin Noir près des Leutériens. Cette cité est ensablée depuis la chute. À présent, les cabales occupent la zone et la majeure partie de Mars. Leur zone d'exclusion est infranchissable. Génial. Le portail du Jardin Noir est à des kilomètres d'ici et les cabales brouillent les communications orbitales. Si vous voulez votre passereau, il va falloir pénétrer dans un de leurs bunkers et neutraliser leur système. Les cabales pèsent 350 kilos et sont hautement militarisés. Ils détruisent les planètes et les lunes qui les gênent. Voilà, c'était pour que vous sachiez à qui nous avons affaire. Ils sont à l'intérieur. Un conseil, évitons le combat tant qu'on n'en sait pas plus à leur sujet. Plus facile que prévu. Je cherche quelque chose qui soit relié à leur réseau orbital. En voilà. Une clé d'accès? Même du DOS serait plus compliqué. Pas besoin de clé d'accès. Oups. Je crois que j'ai déclenché le système de sécurité intégré. Ça devait être leur système de sécurité intégré.
passeron est accessible. Allons au portail. Il semble que les cabales soient en guerre contre les Vex ici. Peut-être savent-ils quelque chose à propos du portail. Allons jeter un coup d'œil aux avant-postes près du portail. Voyons un peu ce qu'ils savent sur le portail. Impressionnant. Les cabanes ont réussi à entrer dans le réseau cognitif des Vex. Il y a des tas d'infos. Je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent ce qu'est le portail. Mais si on veut activer l'œil du maître des clés et entrer dans le jardin noir, il va falloir se défaire des cabales. Ok, j'ai un plan pour charger l'œil du maître des clés. Au fin fond de la base des cabales, il y a une flèche Vex reliée au portail du jardin noir. Reprenons cette flèche des mains des cabales et nous pourrons charger l'œil. Notez que nous allons frapper au cœur de la base, alors ça risque de chauffer. Je dois localiser la flèche. Avançons. Je vais chercher un bon point d'observation. Qu'il nous invite à entrer. Ça sent le piège. Je vais tenter d'ouvrir cette porte. Voilà la flèche, droit devant. Ah.
Occupez-vous des cabales. Je cherche comment activer l'œil. Un conduit est relié à la flèche. Conduisez-moi devant. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On a réussi. L'œil, il est chargé. L'heure est venue d'entrer dans le jardin noir et d'en finir. Nous n'aurons pas de deuxième chance. Si nous réussissons, le voyageur sera sauvé. Sinon, les Vex s'empareront de nos planètes. Quoi qu'il arrive, si jamais nous devons y rester, je n'ai aucun regret. Ok. L'œil du maître des clés est encore chargé. Allons au portail. Les Vex réagissent vite. Ils vont tout faire pour nous empêcher d'entrer dans le jardin noir. Que ça va marcher. Où sommes-nous? Aucun signal entrant, ni sortant. S'il s'agit bien du jardin noir, il n'est sur aucune carte connue de l'espace-temps. Ils sont dans une sorte de stase. Il y a quelque chose de très sombre en contrebas. Je crois que c'est le cœur du jardin noir. Une impasse. Le cœur est juste un peu plus loin. Il nous faut juste la permission d'entrer, à titre de maître des clés.
cœur du jardin noir. Très bien. Advienne que pourra. Allons-y. Pas tellement le choix. J'ai un signal. On est de retour sur Mars. Je reçois des signaux de tout le système, d'autres spectres. Le voile des ténèbres s'est levé. Le voyageur a retrouvé la lumière. Le guide nous demande à tous de rentrer. Pendant des siècles, nous avons redouté l'assaut des ténèbres grandissantes. Nous avions trouvé refuge dans l'ombre d'un dieu stérile. C'est fini. Ces gardiens représentent qui nous sommes, qui nous avons toujours été et qui nous serons de nouveau. Nous sommes les enfants de la lumière. Et nul ne pourra nous détruire. C'est le jour des médailles et des beaux discours. Mais nous savons que le vrai combat est ailleurs.
Tenez. Il reste encore temps à découvrir, gardien. J'ai vu les ténèbres engendrer des choses horribles. Elles s'approchent de nous à chaque instant. Chaque fin annonce un nouveau début. Le combat est loin d'être achevé.